en personnel, en mettant leurs intérêts au-dessus de ceux de l'institution FAF qui représente l'Algérie. Les attaques contre la FAF et ma personne ont d'ailleurs commencé au tout début de notre mandat, en tant que bureau fédéral. Ces personnes nous ont jugés avant même qu'on commence à travailler, prenant ainsi la politique de la terre brûlée, car n'acceptant pas qu'il y ait d'autres personnes aux commandes de ce football. Comment peut-on, Mahamar, juger un bureau fédéral qui, à peine après 3 ans, alors que ceux qui ont détruit notre football, qui l'ont miné, qui l'ont mis à genoux et produit de l'échec durant de longues années, n'ont jamais, jusqu'à aujourd'hui, rendu des comptes? Et ça, c'est quand même une grande question qui est posée. J'ai tout simplement honte de voir combien les intérêts matériels et personnels peuvent pousser certaines personnes à toutes les dérives, au détriment de l'intérêt suprême du pays.